Voilà, on avait fait les conclaves et puis maintenant nous avons rendez-vous avec le secrétaire général du parti et la réunion sera pour lundi, mais nous invitons tout le monde qui a participé aux travaux de venir demain à 14h dans cet endroit là où on va nous préparer pour recevoir le secrétaire général pour un entretien vraiment important. La même question à notre rapporteur. Ah oui, merci. Ce sera quelle heure? Bon, d'abord, je suis de la diaspora Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Je suis le représentant de l'IDPS. Donc, nous avons été convoqués dans le cadre du parti, c'est-à-dire tous les membres de la diaspora, militants et combattants de l'UDPS, d'être là pour un entretien avec le président AI, Jamal Kabundi. Et donc, ils ont rapporté ça pour le lundi. Et donc, nous nous sommes convenus qu'on devait d'abord se retrouver ensemble pour essayer de mettre toutes nos idées ensemble pour que nous sachions qu'est-ce qu'il faut véritablement faire dans le cadre de la diaspora de l'IDPS vivant dans les différents pays à l'étranger. Donc voilà, c'est donc ici là, l'endroit ici, qui aura cet entretien demain à partir de 14h. Ça c'est où? Bon voilà, on appelle ça Limité, juste 11e rue, chez Merciska, voilà. Ok, merci beaucoup. Je suis Mbuyi Chibangu Mani Breko, je suis de la diaspora en République du Congo, précisément à Pointe-Noire. C'est comme venaient de dire mes prédécesseurs, c'est faisant suite à la réunion, aux réunions, différentes réunions préalables qui ont été tenues. Donc nous allons cette fois-ci nous retrouver avec le secrétariat général pour essayer de passer en revue toutes les grandes lignes qui avaient fait l'objet de nos différents entretiens, afin d'en pondérer une résolution finale. Et donc, avant d'en arriver à cette réunion qui aura lieu le lundi, nous en appelons à nous appelons tous les membres de la diaspora, encore ici présents à Kinshasa, de se retrouver ensemble avec nous pour une réunion préalable demain dimanche en ces lieux, dans le cadre qui est juste derrière nous, afin de discuter, de mettre en place une idée globale et générale avec laquelle nous irons donc discuter avec le secrétariat général du parti. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, merci. Moi-même, Monsieur Zadio Kazadi, le secrétaire général des combattants Afrique du Sud. Et je suis ici au micro de sans rival, notre ami combattant de la même diaspora. Nous sommes ici Congolais de l'étranger, comme on appelle la diaspora. Et nous avons eu une rencontre avec ce que je devais un peu de porter comme correction sur le secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabound. Il n'est plus encore secrétaire général, il est maintenant président du parti de l'UDPS. Alors, il va être en intérim pendant tous ces temps. L'intérim est comme appelé provisoire. Et dans nos traditions, ce qui est provisoire reste finalement définitif. Eh bien, nous, les Congolais de l'étranger, nous allons nous retrouver. Et dans ce cadre ici, comme on le mentionne, nous devons nous dire des choses afin qu'on ait un langage unique. Lorsque nous serons devant le président du parti, M. Jean-Marc Kabound, il comprend que c'est vrai. Nous avons une majorité de nos frères qui vivent à l'étranger et qui ont combattu, qui ont jeté sueur et sang pour qu'on arrive à la victoire. Et aujourd'hui, nous devons tous être jouisseurs de cette victoire. Voilà, dans ce cadre-là, que nos amis qui nous suivront sur les réseaux comprennent qu'ils doivent être avec nous ici. Voilà, merci beaucoup. Vous n'êtes sans ignorer qu'on est à Kinshasa, son rival. J'ai à ma gauche la personne qui vous voit, je ne sais pas, peut-être les gens diront qu'il s'agit d'Olivier Kamitatu de la Mouka, mais je ne sais pas si c'est son nom mort ou c'est Olivier Kamitatu. Ben voilà, bonjour. Bonjour. On veut savoir si c'est vrai, c'est Olivier Kamitatu non. De la Mouka. Non, c'est Augustin Aimba qui a toujours, depuis mon enfance, j'ai toujours été derrière, j'ai toujours accepté ses idées. Je suis anti-sécédiste.
Donc je suis derrière Étienne depuis des années et ça fait 32 ans que je vis en Suisse. Ah, c'est très bien. Donc vous êtes diaspora de la Suisse. De la Suisse. Ah. Eh bien, nous voulons, parce qu'il nage une certaine confusion au sein du mot diaspora. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, hier, j'ai assisté au conclave de la diaspora. Mais ce qui est grave, il y a des gens qui ont déjà fait 14 ans ici à Kinshasa. Ouais. Ils ont quitté l'Europe, ça fait plus de 14 ans, et ils se sont retrouvés là-bas, aujourd'hui diaspora. Est-ce qu'on peut tout, on peut accueillir tous ces gens comme étant, comme faisant partie de la diaspora, même celui qui a fait 2 mois seulement en Europe, et ici se retrouve comme étant diaspora? Ben, ça dépend maintenant des personnes. Bon, étant congolais, et un passeport congolais, on s'identifie comme de la diaspora congolaise. Quand on est là, on a c'est l'ambassade du Congo. Donc, quelque part, on est tous de la même famille. Donc on est tous de la même famille, bien qu'on a des diversités dans l'idéologie politique. Chacun a à ce qu'il croit. Pendant moi, je crois aux idées de Tshisekedi depuis longtemps. Depuis Kinshasa, depuis à l'époque d'un père. J'ai toujours cru à ces messieurs. J'ai toujours défendu ces idées. Je l'ai toujours suivi. Et la preuve, je suis là. J'étais au parc de l'île d'Epes parce que, bien qu'il est dans l'au-delà, son fils a repris les affaires en main. Nous voulons le soutenir avec l'expérience acquise. Personnellement, en Suisse, il y a des amis qui viennent de l'Afrique du Sud, de l'Afrique centrale, de Londres. Ils sont nombreux d'ailleurs devant les sièges du parti. Ils ont l'expérience, ils ont des compétences qu'ils ont acquises en dehors du pays. Ils veulent le mettre au service du parti. Ok, monsieur, je crois que avant le grand repas, il y a quand même ce qu'on appelle avant-goût. Ouais. Je crois qu'il doit y avoir un avant-goût, la rencontre de CG. Pourriez-vous griffer juste ce que vous allez dire au CG, et après, nous aurons maintenant à parler au président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, qui nous suit en ce moment. D'abord, au CG. Alors, demain, parce qu'on a réunion lundi, on s'est dit, entre la diaspora de plusieurs pays, on s'est mis ensemble comme des frères qui ont accepté les idées d'Étienne Tshisekedi. On s'est dit, avant la réunion de lundi, mieux vaut se voir avant, se concerter, avoir un langage commun. On ne va pas partir. Une équipe qui va disperser perd le match. Oui. Nous voulons nous mettre ensemble, avoir un langage commun, choisir un porte-parole ou une porte-parole. C'est lui qui va nous représenter. Parce que nous venons de l'étranger, des fois, la mentalité qu'on a acquise en dehors du pays fait que, des fois, on est un peu différent d'ici. Donc demain, ici, chez Mercici, à 14h, j'invite toute la diaspora congolaise de venir ici à 14h, respectons l'heure, il y aura sans rival, il y aura nos bien-aimés ici, tous ceux qui ont adhéré aux idées d'Étienne Tshisekedi, qui ont cru à lui avant qu'il soit ce qui son fils est aujourd'hui, venez, la porte est ouverte, la salle est louée, il y aura qu'il soit boire, et nous allons partager nos idées, et dès là, nous irons lundi ensemble, unis, avec les mêmes idées, pour voir les secrétaires, le président du parti. Ok, merci pour voir le président du parti. Je crois qu'il nous reste moins de 2 minutes pour vous libérer. Votre cible, c'est le CG ou le président Jean-Marc Kabound ou c'est le président Félix Tshisekedi? Notre cible, on n'a pas vraiment des cibles. C'est une famille d'épaisse. Nous, personnellement, on discutera avec moi j'ai mes idées, j'ai des amis qui viennent d'ailleurs. Je ne peux pas les sortir tout de suite là, mais j'aimerais en parler avec mes amis qui viennent d'ailleurs. Ensemble, nous allons trouver un point commun et dès là, nous irons au même pied voir les chefs du parti le lundi. J'aimerais que ça soit vraiment d'abord discuté en famille. Mais moi, personnellement, je viens de la Suisse. J'ai créé une ONG ici. Il y a une maternité, il y a un hôpital, il y a une école enfantine. On vient servir le pays. On vient servir ce qu'on appelle la mère patrie. Et maintenant que l'UDPS a les affaires à main, nous voulons nos compétences, le mettre au service. Comme l'a dit le président de la République, venez servir le pays. C'est un peu le but. Ah ben, c'est par là qu'on va mettre un point final à notre tranche. Je crois bien qu'il y a une question que je pose à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, surtout aux membres de l'UDPS, mais c'est pas le moment. J'ai posé cette question à Jean-Marc Kabound. Le pays aujourd'hui est dirigé par l'UDPS ou le pays est dirigé par la personne de M. Félix Tshisekedi? C'est vraiment important. C'est l'UDPS qui dirige les Congos ou c'est la personne du président Félix Tshisekedi qui dirige les Congos? Merci encore une fois à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche.
ce rendez-vous, grand rendez-vous, demain à 14h, derrière la permanence de l'UDPS, juste derrière l'avenue, derrière la permanence de l'UDPS, chez Maman, Siska Publicité, Zanga Mongo Bandekonanga, et vraiment, encore une fois, pour tous les amis de l'UDPS, disons tous, UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Félix Tshisekedi, président de la République. Merci, merci à demain, Ingeta.